Donc j'ai découvert la discipline à Verbier en 2011. C'est là-bas que j'ai pris goût à ce sport forcément de vitesse. J'ai fait une vitesse de 153 km/h qui était le nouveau record du monde. Et puis progressivement, j'ai basculé sur la piste de Vars, qui est la piste la plus rapide du monde, pour battre ce record l'année dernière avec une vitesse de 168 km/h. L'objectif premier cette année-ci, c'était de faire autour de 200 km/h. Pour pouvoir atteindre cette vitesse de 200 km/h, il fallait s'adapter à l'événement Speedmaster, qui est l'événement le plus rapide du monde sur la discipline du ski de vitesse, avec une petite raquette de freinage. Donc il fallait trouver un moyen pour pouvoir s'arrêter très facilement, très fort, ce qui nous permettait de grimper plus haut pour faire de meilleures vitesses. Donc l'objectif, ça a été de développer un parachute de freinage pour cette année-ci, avec l'aide donc des concepteurs de parachutes de Dragster. C'est un parachute de déclenchement au guidon avec une goupille qui s'ouvre donc volontairement juste après la cellule de chronométrage qui permet de s'arrêter en 100 ou 200 mètres. Ça fait 2 ans qu'on est 2 pilotes à participer au Speedmaster en snow scoot. Donc c'est sympa d'être 2, ça donne un certain esprit de compétition et ça permet de se dépasser parce qu'on est vraiment pas loin l'un de l'autre sur les vitesses. Ils rencontrent à peu près les mêmes problèmes que moi, c'est-à-dire le freinage après la cellule. Donc ça prouve qu'on est sur la bonne voie avec le parachute cette année-ci. Corentin Desbois qui va s'élancer le premier. Et puis Robin Muller ensuite, Corentin Desbois qui est détenteur du record du monde à 168, 382. Ici même, bien sûr, avec un peu plus qui a été... qui est bien sûr un prototype, on en a parlé hier avec lui. Il a rallongé les patins, il a mis un frein inédit avec ce parachute. C'est un parachute de drague. Donc cette année-ci, la tentative de record a été compromise par les conditions météo, et en particulier une petite coulée de neige en plein sur la piste, vraiment sur la piste de ride, qui est survenue 3 minutes juste avant notre départ. Regardez comme Dame Nature est surprenante. Avec une avalanche qui vient de partir sur la piste. Ouais, une petite avalanche qui a eu lieu plein milieu de la piste. Bon, elle est partie sur le latéral, sur le côté, puis elle a glissé. Donc, malheureusement, on a vu nos chances de battre le record s'effondrer devant nos yeux. Et on a tenté malgré tout une descente, un run, juste en dehors de la piste, là où les dégâts étaient un peu plus faibles, mais c'était pas efficace. Et les cellules n'ont pas déclenché non plus, c'était une vraie catastrophe. Ça fait pactal. Quand tu veux. 204, parti. Allez, c'est parti. Le sprint super. Qui en est? On est des bonhommes, non? Pour descendre dans une avalanche, je suis quand même content. Voilà. Ah oui. Première descente de KL des années. Du monde en poudreuse. Des années pop. Voilà, dans une pleine avalanche, c'était pas mal, avec des bosses de 15-20 cm. On va dire, ça sautillait un peu, et puis bah, évidemment, ça a déclenché le parachute, hein, vous allez le voir sur les images. Voilà, donc un peu déçu, Robin ne part pas parce qu'il n'y a plus de visibilité. Et puis c'est un peu dangereux, hein, faut le dire. J'avais la potence qui tapait dans le casque comme des coups de marteau. Bang, 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 bang. Non, c'est pas possible. Voilà, donc je pense qu'on va se déplacer un peu, on va aller en Andorre. Voilà, on va aller plus vite. Même si cette année-ci, on n'a pas eu de record dû à cette avalanche sur la piste, l'année a été très productive en développement matériel et surtout pour s'inscrire dans le paysage du KL en tant que discipline à part entière. Le snow scoot a sa place aujourd'hui à Vars. Parmi les skieurs, les monoskis, voire même le snowboard, on est là, on fait nos runs et on prouve qu'on va aller de plus en plus vite et de plus en plus haut pour nos départs. Donc l'année prochaine, on espère une vraie saison avec beaucoup de training pour pouvoir enfin atteindre cette vitesse de 200 km/h dont on rêve. Ce qui est sûr, c'est qu'en KL, on ne peut pas réussir tout seul. On a besoin de beaucoup d'aide, de savoir-faire, d'investissement. Donc tout au long de la saison, j'ai reçu de l'aide d'un petit peu partout. Je voulais vraiment remercier tout le monde
pour le support. Et à l'année prochaine pour faire beaucoup, beaucoup plus vite.